Suite au passage en force de la réforme des retraites via l'utilisation du 49.3 d'Elisabeth Borne, Jordan Bardella était ce matin en plateau pour débattre de tous ces événements. Vous allez voir qu'il se montre très critique envers le gouvernement, mais qu'il rejoint aussi la NUPES sur de nombreux points. Je pense que le 49.3 érigé en méthode de gouvernement, parce que c'est ça le sujet, si vous voulez, c'est le 11e 49.3 depuis les élections législatives. On est là devant un 49.3 qui est devenu une méthode de gouvernement. Merci. J'ai un long chargeur, je fais pas de judo, Rostand. Et je vais me faire trahir par des Judas. C'est-à-dire qu'on a des textes que les Français ne veulent pas, que la représentation nationale ne veut pas, que les députés ne souhaitent pas voter et qu'on fait passer quand même. Enfin, est-ce qu'on peut, on a le sentiment qu'ils veulent se faire détester à tout prix? Je pense que de l'utilité du 49.3 est à débattre aujourd'hui et peut-être à remettre en cause. Mais à la base, initialement, encore une fois, je veux dire, ils sont en train de détourner l'esprit même des institutions et du fonctionnement de la démocratie française pour gouverner par la force. Or moi, je dis une chose, le 49.3, il est là non pas pour forcer l'opposition, pour forcer la politique du président de la République, il est là pour contraindre sa majorité quand vous avez parfois des difficultés en votre sein à faire adopter un texte. Mais en l'état actuel des choses, c'est vrai que ce 49.3, il apparaît comme obsolète. Et ça sent le pouvoir d'achat. Au guichet, je me tape plus la fiche. Hormis tous ces montages un peu drôles, Jordan Bardella soulève une vraie question. L'usage du 49.3 doit-il être plus encadré ou supprimé totalement ?